Yo tout le monde, c'est Narpi! Narpi! Et on est sur Pokémon Ruby. Et on va continuer cette fabuleuse aventure ensemble. Et bah, comme vous pouvez le voir, je suis toujours malade parce qu'en fait, c'est juste à la suite. Parce que je me suis dit que. Au mieux que je tourne l'épisode tout de suite. Parce que là, je suis en période d'examen blanc. Et j'ai quand même besoin de réviser un peu. Donc, je préfère faire ça à la suite. Même si je suis à moitié mort là. Je pense que je vais me retrouver par terre d'ici la fin de cet épisode. Et puis je serai en train de convulser parce que j'en peux plus là, j'arrive plus à respirer. Non, ça va aller, vous inquiétez pas, ça va aller. Ça va aller, sauf contre ce Arakdo. Vous pouvez pas faire les noms encore plus compliqués. Je sais pas, l'appeler Kado ou Do ou A. Je sais pas, c'est plus simple, non? Ouais, c'est tristesse tout ça. On s'en fout. On va lui faire. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Moi, je vois bien s'éclater en mille morceaux avec ça. Essayons. Ah, esquive du caillou baisse. Ah, c'est grave. Ah, coup critique. Oh putain. Coup critique qui a dû enlever 2 PV. Alors, j'imagine même pas en attaque normale. Je pense que ça enlève 0,1 PV. Bon, du coup, griffe acier, parce qu'il est pas sensible à la roche. Donc peut-être à l'acier. Même s'il a pas trop une tête de mec de bureau, quoi. Mais bon, allez, hop. Coup critique, bah oui. Qu'est-ce qu'il y a? C'est normal. Un coup critique, quoi. Yes, Croc-McDo, yes. T'es un dieu. Mais on va t'enlever ton joujou bientôt. Ah oui. On va laisser un peu à Maya, quand même. Savoir partager, mon vieux. Un mystère. Témoignons, mais tu te dégages. Oh, en plus, 12 PV. Chaud patate, là. Hein. Faut fuir. Hein. On va mettre Maya. On va essayer avec Maya, même si elle pue la merde. Hop. Là. Voilà. On a poké. C'est une hyper potion. Très bien. Ah, il y a Jean-Kevin. Hey, t'as finalement réussi à m'attraper. Mais tu voulais peut-être m'éviter. Ah, très bonne question. Est-ce que je voulais t'éviter? Ouais. En fait, je voulais t'éviter. Fais chier, là. Oh, maintenant, tu dégages. Maintenant que tu sais la réponse. Tu dégages. Plus 30 PV. Ah non, je vais faire un petit vœu, tiens. Soigne-toi, Maya. Ah non, en fait, ça soigne pas, c'est de la merde quoi. C'est quoi cette merde? Arrête, non, arrête. Ouf. Fais peur, lui. Mais si, c'est vœux normalement qu'il se soigne, bordel. Bordel de merde, soigne-toi. C'est pas vœux qui soigne. Irresprit. Mais non. Ah, voilà, ouais, c'est un retardement, ce bordel de merde. C'est pourri en fait. La chiasse. Ou alors faut vraiment être sûr que le duel va durer. Et que t'es pas forcément en danger. Même si théoriquement t'es toujours en danger dans un duel. Contre un dresseur, bien sûr. Bon, on va faire vive attaque. On va voir si ça sert vraiment d'avoir l'objet. Bah non, ça sert à que dalle. C'est de la merde. Faut vraiment qu'elle monte de niveau, Maya. Hein. Parce que là, il faut vraiment récupérer une autre technique, une autre attaque. Ou alors, je vais lui faire apprendre une attaque. Je vais voir qu'est-ce que je peux lui apprendre. Ça serait pas mal une bonne CT qu'on m'a offert généreusement. Bon, allez, on va changer. Parce que là, c'est interminable. Pokémon. On va prendre Croc-McDo pour voir ce qu'il vaut. Parce que j'en ai aucune idée. Plutôt ce qu'elle vaut. C'est une femelle. Alors voyons ce que tu vaux. On s'en fout que la pluie elle tombe. Putain, ils sont obligés de mettre ça 100 fois. Sérieux, bordel. Ouais, ça va, c'est pas mal ça. Allez. Plus vite. Faire morsure. Non,
Non. Oh, il a la trouille, c'est bien. Allez, on va faire force poignée. Oh yes. Lingal, non. On va lui refaire morsure deux fois. Allez, morsure. Une fois. Ah bah il est pas apeuré. Merde. Ouais, c'est autre chose alors. Ouais, c'est Crocolarme. Crocolarme, est-ce que c'est une attaque ça? Ah, c'est étonnement l'attaque. Ah merde, c'est, ça pue. Bon bah on va refaire morsure. Et puis c'est tout. On va espérer coup critique. Morsure. Ouh yeah. Ouh yeah yeah yeah. Ouh, c'était un beau combat. Non. Non mon petit. Bon, qu'est-ce qu'on avait dit qu'on allait faire? Ah oui, apprendre une technique. J'ai pas trop d'idées en fait. Bon déjà, je veux essayer tonnerre, mais je pense que ça va pas passer. Ah, bah si, bah voilà. Ça, c'est nickel. On va oublier une technique de merde. Charme l'ennemi et baisse brusquement son attaque. Ça, c'est bien quand même. Un vœu qui restaure les PV, demande un certain temps. Ça, c'est moyen quand même. Enlever charge, parce qu'en plus, c'est moins fort que vive attaque et c'est pas sûr de... à tous les coups. Boum. Nickel chrome. Bon, on va aller voir par là s'il y a quelque chose, mais non, en fait il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Ok, ben on va retourner vers le haut alors. Non, non. Je peux pas courir dans les herbes. On est obligé de marcher. Donc c'est pas pratique pour aller vite. Qu'on soit bien d'accord. Je vais essayer de me casser quand même parce que c'est pas contre des Pokémon sauvages que Maya va vraiment monter de niveau. Et puis en fait la pluie, je crois que ça diminue les attaques tonnerre, donc c'est de la merde. Je croyais qu'on pouvait faire un vol en attrapant toute une volée de Pokémon oiseaux et en s'accrochant à eux. Ouais bien sûr, c'est comme avec les ballons, t'en as tellement des ballons que tu vas voler. Mais il s'avère qu'il existe une capacité CS appelée vol, j'aurais bien voulu le savoir plus tôt. Eh oui, d'ailleurs tout à l'heure, enfin dans l'épisode précédent plutôt, on avait rencontré une grognasse qui nous a affronté avec des baies. Mais j'ai pas pensé à rentrer à la maison. J'ai entendu parler d'une grotte appelée la grotte origine. Les gens racontent que les esprits des Pokémon y sont réanimés. C'est possible une chose pareille? Bien sûr. Je suis archéologue moi. J'ai visité toutes les grottes. Bon, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un objet là. Il y a un objet. Allez, enfoiré de ta mère. Il y a un truc là. C'est quoi ça? Oh oui, super repousse. Et il y a un mec là, il y a un bonhomme là. Bah oui, j'avais vu ta sale gueule. Je ne sais pas qui je suis, hein. Bah non, je m'en fous. Mais je te reconnais pas non plus. Alors on va se battre. Toujours aussi logique, hein. Je te connais pas, alors on va se battre. Scout Grégory, un musiole. C'est moignon. Mais Maya est plus moignon. Plus. Allez, on va faire tonnerre. On va voir si ça marche bien. Oh, ça fait mal. Wow, ça pue la merde. C'est génial. J'adore quand ça pue la merde. Bonjour et bienvenue dans Pue la merde. En guest star, Maya avec tonnerre. Et puis vive attaque qui fait encore plus de la merde. Et si vous voulez de la merde, il y en a au stand de la merde. Vous pouvez vous recouvrir de merde, ça va puer la merde. C'est parfait, Thierry. Bon, qui on va prendre du coup? Parce que tout le monde est à moitié mort, tout le monde est en train de décéder. Caillou, fonce. Rayon lune. Ah, mais ça, ça c'est bien, comparé à vœux. Parce que là, moi, ça sens tout de suite, c'est pas du hasard, c'est genre, ouais, je sais pas, bof. Est-ce que je vais me lancer maintenant ou dans 50 tours? Bon, 50 tours, c'est rare dans Pokémon, mais je suis jamais allé jusqu'à 50 tours, hein. Bon, arrête, c'est bon, on a compris que ça marche bien. Oh putain!
Ça pue le foin. On est mal barré là, hein. On va faire un dernier griffe acier, voir si ça passe, sinon je change. Je prendrai KFC même si il est paralysé. Bon, ça va, c'est moins pourri, hein. Je pense qu'on va faire que ça. Ouh. Attends. Ah, force, c'est normal. Ah ouais, d'accord. Moi, je pensais que c'était... Non, bah, bélier, je crois que c'est pas mal quand même. Ça va lui faire bobo, mais ça peut faire beaucoup de dégâts quand même. Ah ouais, c'est pas mal. Se blesse en frappant. Bon, on va quand même faire griffe acier plutôt. Parce que là, il est bientôt mort. Ouais, c'est bon, il est mort. T'es mort. Il a de bonnes attaques quand même, de bonnes techniques. Après, il faut durer dans le duel. Pendant le combat, il faut arriver à durer. Hein, sinon, ça sert à rien, quoi. Ah merde, il y en a encore un. Bah ouais, bah, je vais changer là. Je vais prendre... Oh putain, c'est qui tout double hein. Je vais prendre KFC, je vais essayer de faire Flamèche. Parce que je pense que c'est sensible à Flamèche, ce bordel. Et puis... Ouais, puis... Ouais, j'espère que ça passe. Ah bah non, il échoue, ok. Il est passé en priorité, bordel. Voilà. Ouah, non, ça le tue pas. Non. Il va tuer mon KFC. Rayon lune. Non, ça va. Ça va. Ouh, je vais pas le tuer. Là, je vais pas le tuer. Oh, non, pas tuer. Non. Toi, pas mourir. J'ai cru, mais non. Alors, on va faire double pied. Double pied, c'est puissant. Et ben voilà. Il me répète Flamèche. C'est pas grave. T'aurais pas dû faire ça. Parce que voilà, maintenant t'es vraiment cramé. T'es plutôt balèze, eh oui. Allez, on se casse, là j'en ai marre des duels, parce que de toute façon je vais crever. Donc on se tire d'ici, on arrive en ville et on soigne tout le monde. Non, on n'y est pas du tout. Ok, on va ramasser les baies. On va essayer de soigner quand même des gens, parce que là c'est la merde. Hyper potion. Oui. On va donner hyper potion à KFC. On va enlever la paralysie, parce que maintenant il faut arrêter de déconner. C'est ça. Non, je veux pas lire l'étiquette. Bordel, je sais ce que c'est quand même. Oui, KFC, voilà. Et on va mettre KFC en premier. KFC. Ordre, tac, boum. Fini, voilà. On va passer dans les herbes. Ramasser les baies. Ah, et on peut aller encore un peu plus haut là. Passer en dessous du pont. Je sais pas ce qu'il y a de l'autre côté, on va aller voir. Voilà, mets mes pots. Mets ça dans ton pot. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a rien. Si, il y a une maison, mais on s'en fout. On s'en fout, c'est de la merde. Boum, même pas de duel. C'est qui le boss? Toi là. Ton Pokémon peut utiliser sa force cachée sur un gros tas d'herbes et créer une base secrète. J'en sais rien. Pourquoi tu me poses la question? Et regarde-toi. Pour quelqu'un qui part à l'aventure, tu voyages drôlement léger. Ouais, j'ai juste un vélo dans mon sac, quoi. C'est normal. C'est vrai que c'est très léger. Un combat est lancé par Pokémon Ranger Catherine. Ah. Ortide. Ah. Je me suis soigné de la paralysie pour me manger à nouveau de la paralysie. C'est plutôt cool, hein, ça fait plaisir. Ah putain, c'est de moins en moins efficace. L'enfoiré de sa mère, putain. Je vais défoncer sa gueule, moi. Bon allez, KFC, tu me fais pas chier. Tu attaques, non pas assez. Non. Non. Il est déjà paralysé, bah oui, bien sûr. Bah du coup, je vais t'envoyer à double pied, ça passe bien en général. Ça contre la paralysie en général. Ouais, bon, en fait, c'est de la merde. Et là, j'ai envie de tousser, donc je vais tousser. Voilà. Désolé. C'est ça quand on est malade. Parce que là on est en décembre et en décembre bah toujours, hein, toujours Narpi est toujours malade, hein, c'est comme ça. Wow, croque-McDo niveau 26, mais c'est un ouf.
feinte. Oui. C'est trop efficace ce multi-exp. Ça rend vachement service. Heureusement que je l'ai récupéré. Attire l'ennemi et frappe sans jamais échouer. Ah ouais, c'est pas mal. Pas mal, pas mal. Ouais, bon, on va enlever ça quand même. Même si ça a que 60 de puissance, c'est pas mal quand même. Pas mal, parce que ça échoue jamais. C'est dingue. Roselia. Ouais, on va essayer justement Croc-McDo pour voir si c'est vraiment efficace. Je pense que oui, mais... J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui sont sensibles à ténèbres et spectres. Vampigraine, vampigraine, mais non! On va te faire ça. Toujours aussi décevant, hein. Tu t'imagines que ça va faire une super attaque et non, en fait, ça a plus la merde. Du coup, ben, on va... Ça, c'était ténèbres. On va faire spectre. Feuille magique. Oh là 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 là. On dirait une attaque dans Mario Kart 8. Des lumières flashy comme ça. Ou même Mario Galaxy. Putain, en plus, ce jeu, il me manque. Faut trop que j'y rejoue à nouveau sur la 8. C'était cool, quand même. Ça a marqué une putain de révolution, ce jeu. C'est de la folie. Franchement, les Mario Bros, les nouveaux, j'y trouve pourris. Alors que Mario Galaxy, il était bien quand même. Franchement, faut dire ce qui est quoi. Bon, là, je peux arriver à taper quand même, même si je suis paralysé. Après, c'est Roselia quoi. Il me semble qu'elle est sensible à double pied, hein. Si je me souviens bien. Je sais qu'il y a une attaque qui est super efficace contre Roselia. Mais est-ce que c'était KFC? Bah en tout cas on le saura pas à ce tour-ci, parce que ça passe pas. Allez, 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 putain, 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 allez, 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 allez. Oui. Ah bah non, c'était pas ça, c'était pic-pic. C'est coup double, hein, c'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Mais va te faire foutre avec ta pluie de merde. Là par contre, il faut se soigner. Et voilà, faudra en racheter d'ailleurs. Mais bon, là c'était des hyper potions, j'aurais dû les garder quoi. Parce que je peux acheter que des super potions, alors c'est nul. Et là, ça commence à se corser. Non. Ouais, c'est pic-pic maintenant. Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que je me suis trompé? On va voir ça. Et ouais, je m'étais trompé, c'est bien pic-pic. C'est pas grave, on a perdu un tout petit peu de temps. Les accidents se produisent quand on ne s'y attend pas. Eh oui. Eh oui, bouffonne. Bouffonne. Je voulais soigner KFC déjà parce que là, c'est chiant. Donc une baie cerise. J'en ai presque plus. Mais pourquoi à chaque fois je veux lire l'étiquette? Y'a pas besoin de notice avec ça. Voilà. Et puis on va changer l'objet, on va mettre autre chose parce que comme ça on va mettre le multi-exp. Objet donné. Multi. Voilà. Parce que Maya là c'est juste impossible. Je vois pas ce que je peux faire avec pour l'instant. Donner. Qu'est-ce qu'on va te donner à toi? T'as plus d'attaque normale. Ou pratiquement plus. Je crois. On va dire, on va quand même lui mettre. J'observe, résumé. Si, force poignée quand même. Donc c'est bon. Allez. Ouais, c'est comme ça. Bon, je soignais de la paralysie, mais j'espère qu'il y a encore un duel quand même. Ah bah oui, il y en a plein. Qui sait toujours comment faire pour survivre? Nous, les Pokémon Rangers. Non! Tu fermes ta gueule. Pourquoi ils se vantent à ce point-là? Et là, il n'y a que des Rangers en fait. Ils ont la classe, honnêtement ils ont la classe. Mais je les emmerde quand même. Ah là, un Rafale Psy ça aurait fait du bien quand même. Mais bon, tant pis. On va faire Flamèche, on va voir si c'est puissant ou alors Pic-Pic. J'hésite entre les deux. Oh non, Flamèche c'est pas mal, hein. Beaucoup critique. Donc ça aurait fait beaucoup moins. Mais c'était quand même sensible. Hein. Je vais lui faire tranquillement un Pic-Pic. Eh ben non.
Enculé de ta mère. J'ai pas le droit de faire ça. C'est un duel normal. Ah bah pic-pic. Oula, c'est puissant. C'est la puissance. Allez, dégage là. Je vais te manger comme un kebab, moi. Allez, c'est fini. On se casse. Allez, niveau 22. Oui, c'est bien ça. Je ne connais pas suffisamment de choses sur les Pokémon. Eh non. Même toi, t'as vu la gueule de ton Pokémon? Qu'est-ce qu'il y a à connaître? Il n'y a rien à connaître. Non. Oh, Misterbe. Misterbe. Bonjour. Flamèche. Il pleut. C'est qui le bouffon qui fait pleuvoir là? Putain de dieu de merde. Dieu de la pluie. Wow, c'est super efficace, mais à moitié. Hein. Poudre dodo. Non, 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 non. Hey, hey, tu fais pas de conneries là. Allez, on va dégager de ce duel. J'ai pas envie KFC il dorme. Non, c'est pas l'heure du dodo là. Hop. Non, toujours pas. Bon, on va affronter Ken. Je vais te montrer mon vrai potentiel ainsi que celui de mes Pokémon oiseaux. Comme par hasard, tous les Ken ont des Pokémon oiseaux. Faut arrêter les gars. Ouais, en fait c'est le skin pour les machins là, mais entre le skin et l'artwork là, c'est pas pareil, hein. C'est pas la même gueule. Donc toi, je te vois bien manger un double pied. Je sais pas pourquoi, mais t'as une tête à manger un double pied. Ouais, super efficace. En fait, Nirondelle, il est vraiment sensible. Vraiment un pauvre Pokémon super sensible. Un Eldel. Enfin, c'est l'évolution, quoi. Eh ben, non. On va pas changer. T'es majestueux, mais tu vas aller sous terre. Reflet. Mais ça marche pas, ça. On s'en fout. Bref, il en a rien à foutre. Fous des pieds à l'arrache comme ça, tu te jettes dessus tellement t'as peur. T'es pas mort, mais c'est pas grave. On fait un petit coup. Puissance. Ils veulent que de la puissance dans ce jeu. Ah bah il rate quand même. Ah ouais. Peut-être parce que coupe, c'est pas une attaque qu'il a appris lui-même. Donc il est moins précis avec. Oula vache. Ah là c'est puissant. C'est bon. Pas de soucis. Gwelis, non. Faire double pied aussi. Blablabla. Allez, double pied. Fini. Au revoir. Ah bah non, c'est pas efficace. Oh putain. Attendez, j'entends bien un bruit qui fait. Et pourtant, ça le dégomme quoi. Ça l'a coupé en deux. Oh shit. Nous avons manqué de potentiel. Ouais, allez, retourne regarder télé-shopping et fais pas chier. Achète des oiseaux et puis fais pas chier. Trouve hyper potion. Ouais, cool. On va pouvoir faire des bonnes potions. Avec toutes ces hyper potions, on va faire des hyper potions. Non, pas de réaction. Non, pas de réaction. Non, pas de réaction. Mais tu te fous de ma gueule, il y a une Pokéball juste là, tu peux réagir quand même. Un élixir. Waouh. Trop bien. C'est le swag, ça. Waouh. Voilà, je me suis fait avoir par Sonic Snake. Enfant. Quand on ne se méfie pas, on prend le risque de souffrir. Ah. Ninja Fan Takashi. Takashi. Eh bah t'as qu'à chier, puis moi je vais te chier à la gueule, et puis voilà. Ningal, mais non, arrête tes conneries, putain de merde, un pic-pic, et puis voilà, c'est super efficace en plus. Ça, je m'en rappelle, parce que j'imagine le petit truc qui rentre, et t'es mort. Bon, ça aurait été bien que ça le one-shot, mais bon, on peut pas tout avoir. En plus, il va monter de niveau KFC, donc c'est cool. Bientôt, il va évoluer en McDo, et après en Quick, et après en Subway. Et après, je vous ai donné faim. Niveau 34. Maya, un peu d'expérience. Un Smogo. Non. Même si, honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce qui est efficace contre Smogo. À part lui boucher tous les trous qu'il y a de la vapeur, là. Poup, pour qu'il s'étouffe lui-même, je vois pas. Double pied, peut-être. Ah oui, double pied. Non, c'était pas double. C'était pic-pic. Pic-pic, double pied, pic-pic.
On sait jamais, brouillard. Pourquoi tu me fais du brouillard? Non, ça baisse pas, t'inquiète. On est bien là. Allez, pic pic, c'est efficace. Ah, c'est moyen. Purée de poids. Chut, ne sois pas empoisonné. Oh, putain, mais c'est pas possible. Tu fais de la merde. Putain de KFC de mes couilles. Non. Plus ça fait mal. Ça fait plus mal que ces attaques. Ils sont sérieux là. Oh putain. Oh. Oh bah là c'est bien. On est tranquille. On va tous crever. Et puis voilà. C'est bien. Franchement, ça fait plaisir. C'est la joie. Ah. Ok, on va prendre alors. Ils sont tous à moitié morts. On va prendre Orac. On va essayer de faire un rafale psy sur je sais pas qui. Parce que j'ai pas vu qui va envoyer. Il va envoyer Ninjask. Ah, mais Ninjask, ça passe. Oulala, pas de soucis. Est-ce que j'ai la priorité sur l'attaque? C'est la seule question. Eh ben non. Bon, ça va, ses reflets. Il va augmenter son esquive. Ouais, esquive. Mais ça passe pas. Voilà, ça passe pas. C'est bien, merci, au revoir. Faut réessayer. Faut jamais abandonner. Jamais, jamais. Turbo. Jamais, jamais. On s'en fout de turbo. On s'en fout de reflet. On s'en fout que le mec soit intouchable. Il faut jamais abandonner. Ah voilà pourquoi il faut pas abandonner. Voilà. Ah, ça le one-shot pas. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Oracle se débrouille bien. Mais pourquoi ça lui fait monter ce... Ah, il n'y a plus de pépé. Il n'y a plus de pépéto. Mais qui a pris tous les pépétos? Ah, oh, en plus il est mort, Oracle. Mais voilà. T'as fait le taf, c'est bien. C'est bien, je t'en veux pas, sérieux. Pas de ta faute. On va essayer avec Croque-McDo. Comme ça, si Croque-McDo crève, et ben c'est toute la famille qui crève. La famille des noobies. Tout ça, c'est des Pokémon noobies qui servent à rien. Et que je vais remplacer au bout d'un moment parce que ça devient chiant. Taillade, ben voilà. Ah ben non, c'est pas efficace. Enfin, j'aime bien le style de Croque-McDo et tout ça, mais si après j'ai un Pokémon légendaire, qui j'enlève? Hein? J'enlève Croque-McDo. Parce que KFC, c'est quand même meilleur. Hein. Faut venir ce qu'il y est. Allez, mais c'est pas efficace. Pourquoi? En fait, j'ai l'impression qu'il y a que cette attaque là. Ou pas, non, je sais plus ce qu'il avait fait comme attaque à mon oracle. Mais nos soucis, on a gagné. Voilà, on se casse maintenant. Ta force est surprenante. Et ouais. T'inquiète. C'est normal. Putain, mais sérieux, mais regardez-moi le design du personnage, comme il est horrible. C'est quoi cette allure de merde? Non, mais franchement, faut pas déconner. Ah, il y a Ken. On va affronter Ken. Le ciel si vaste tient une grande promesse. Rien n'est aussi intense que de voler. Ouais. De voler du fric. Toi, t'as une tête à voler du fric. Je vais te piquer ta gueule. Voilà, on va faire un flamèche. Ah merde, pourquoi j'ai moussi? KFC, il est mort. Ah oui, KFC, il est mort. Il est mort, KFC. Bon, bah du coup, c'est pas l'idéal, hein. Clairement, c'est pas l'idéal parce que je pense que je suis sensible aux attaques de Elden, ça c'est clair. On va quand même essayer de le charger à chaque fois avec roulade. Allez, roulade. Ça va, c'est que vive attaque, tu peux tenir. Ouais, c'est efficace. Ah, ça c'est bien. Faut juste pas qu'il me fasse un pic-pic ou un truc comme ça. Ah, cruel, bah voilà. C'est ça que j'attendais. Ah, c'est pas efficace, c'est pas si efficace que ça. Donc on est bien, et puis là tout le monde est mort. Mais franchement, roulade, c'est épique. C'est juste génial. Je suis sûr qu'à la fin, là, au dernier coup, ça monte à genre 150 de puissance. Quelque chose comme ça, quoi. À terre et hors combat. Eh oui. Bon, est-ce qu'on va arriver au bout du tunnel, là? Même si c'est pas un tunnel, parce que ça commence à devenir lourd, tout ça. Je vais soigner mes Pokémon, moi. Ah, je crois qu'on y est. Oh putain, c'est quoi ce bordel? Me dites pas qu'il va y avoir des duels là. Je suis pas en forme là. Faut que je check ici, non y a rien. Nous on surveille ici, et toi ne t'approche pas du centre météo, c'est dangereux. Oh putain de merde. Alors là, c'est tendu hein. Bon, on va voir s'il y a vraiment des duels. Ah ouais, ça pue le duel là quand même. Non? Attendez, il y a un lit. On peut se reposer là-dedans. J'en suis sûr. Il y a un lit, je vais me reposer. Oui! Yes! Ah,
Toujours quand il y a un lit, tu peux te reposer. Tout le monde est monté à l'étage pendant que je dormais. Pauvre petit. Pourtant, t'es Solid Snake. Comment t'as pu ne pas te cacher Pourquoi t'es là Sérieux. Ah, déjà un duel. Hein? Qu'est-ce que ce môme fait ici? Je suis pas un môme. J'ai dit que j'ai 9 ans et demi. Oh, pourquoi t'as les jambes à l'air, toi? Sbir Team Magma. Elle a pas de prénom, quoi. Un chamallow. Bon, j'ai pas le bon Pokémon, mais c'est vrai, pourquoi je change pas? Pourquoi je prends pas Moussi? Moussi, c'est idéal à ce moment-là. C'est. Mouah, c'est al dente, mais on va faire pic-pic, ça ira quand même. Petit charge, on s'en fout. Allez, ta gueule. En fait, c'est double pied que j'aurais dû faire. Chamallow, il est sensible à double pied. Je sais pas pourquoi, mais bon. Allez, double pied. Ah, c'est nickel. Touché une fois. Hop, 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 allez. Hop, hop, hop. Allez, allez, allez. Ah, j'ai perdu. Bah oui. T'as cru quoi, toi? Bon, Pokémon, on va mettre Moussi. Moussi. Voilà. Moussi, il est bien là. Yo. Comment que c'est la famille? Le chef s'intéresse aux recherches qu'ils font ici. C'est pour ça qu'il nous envoie. Occupe-toi de tes oignons. Je pense que le mec, ça fait déjà 3 fois qu'il nous rencontre, mais il essaye à nouveau, quoi. Il n'a pas compris qu'il a aucune chance. En plus, avec un Nosferapti, quoi. Mais non, mec, arrête tes conneries. La bulle d'eau, tu vas te noyer. Honte folie, c'est quoi ce bordel? Oh, putain. Eh, mais franchement, Moussi, il est abonné à la confusion, quoi. Pourtant, il prend pas de drogue ni rien, mais... Il est tout le temps confus, quoi. C'est abusé. Abusé. En plus, on peut pas soigner la confusion. Enfin, si, en combat, je crois qu'on peut... Mais... C'est pas un état... C'est pas une altération d'état, quoi, qu'on peut soigner avec... Total soin et tout le bordel. Mais allez, arrête d'avoir la trouille, là. Putain. Mais t'es moussi, quand même. Ah, puis sa confusion, on va lui faire bobo. Non, c'est bon. Bien. Nickel, Chrome. C'est qui ensuite? Je pense que c'est le loup. Je pense que c'est le loup. Ouais. Non. On va lui niquer sa gueule. Et puis c'est tout. Oh, il est même pas évolué. Oh, il est sérieux, là. Ah, bah voilà, Moussi. Tu me fais plaisir, des fois. Yes. Ah, l'enfoiré. Petit coquin. On va lui faire double pied. Oh yes. Ça, je sentais bien ça. Elle déchire la musique. Mais c'est fini. Il n'y a plus de musique. Eh non. Quelle humiliation, se faire battre par un gosse. Mais toi-même, t'es un gosse pour te comporter comme ça. Espèce de con. Allez, à toi maintenant. Le centre météo a créé un type de Pokémon basé sur le climat. Nous sommes là pour le voler. Bah va, Météo France, tu vas bien t'amuser, toi. Tu vas rien voler du tout. Bah, que deux grognasses qui présentent la météo qui vont te faire peur. Et puis, tu vas détaler comme un lapin. Ok. Bon tardisme. Ah, il a monté mon attaque, mais il m'a rendu confus. Ah, le bâtard! Il a compris que Moussi, il aime bien être confus. En plus, voilà, ça fait super mal, quoi. C'est complètement abusé. Je veux dire, t'es déjà dans la merde, en plus, ça t'inflige des dégâts. Ah, bah, il est plus confus déjà. Ah, bah, ça, c'est bon. Je suis sûr que je vais le one shot là. Oh putain! Coup critique. Faut que je prévoie plus souvent de dire que ça va le one shot. Comme ça, ça marche. On est bien. Chamallow. Ouais, je vais prendre KFC quand même, je vais lui faire double pied. Parce que j'aime bien entendre le bruit quand on fait un coup fatal. Quand c'est super efficace. Double pied. Ah bah non, c'est pas ça. Non, c'est pas... Enfin, c'est efficace contre Chamallow, mais c'est pas... C'est pas super efficace, non. Notre plan échoue à cause d'un mioche. Et ouais. Ouais, mon gars, ouais. Moi, j'ai regardé toute la saison 1 de Pokémon, toute la saison 2 de Pokémon, toute la saison 3 de Pokémon. Alors, je suis super peur. Nous sommes la Team Magma. Nous surgissons dès que quelque chose de rare se produit. Ok.
Un combat est lancé par Sbire Team Magma. Toujours pas de prénom, c'est cool. Bon, on va refaire roulade. Parce que aussi, tout ça, il est bien de se rouler. En plus, ça va bien avec le personnage, c'est une boule. On s'imagine qu'il est en train de rouler comme ça. Ah putain, par contre, son hurlement, il commence à me saouler. Et puis Oracle, c'est pas forcément le meilleur choix. T'aurais pu faire mieux quand même. Ah, ça n'affecte pas Mediana. Bah oui, c'est un Pokémon complètement teubé, il a pas de cerveau. Bah regardez la preuve, il refait hurlement, mais il est con quoi. C'est bien, tu m'as remis aussi. On va faire Bulldo. On va voir si c'est efficace. Je pense pas, mais ça peut te tuer quand même. Ouais. Moussi, c'est pratiquement mon deuxième Pokémon le plus puissant avec KFC, quoi. Comme c'était un starter, pratiquement. De se faire à petit. Non. On va refaire Bulldo. Pourquoi pas. Est-ce que ça va le tuer? Normalement, oui. Oui, non. Oh putain. Presque. Non, putain, c'est ça que je craignais. Mais j'en ai marre. C'est pour ça qu'ils sont nuls aussi à Team Magma. Ils font que des attaques de confusion, de... Je monte mon attaque, je monte ma défense, je montre ma bite. Et puis au final, ben voilà. Ils attaquent jamais. Coup critique, ben voilà. C'est toujours ce putain de trollage de puissance 1000. C'est le coup critique qui arrive en dernier coup. Et donc, non en fait, mais non. Mais pourquoi je change? Juste à lui faire Bulldo. C'est un Pokémon feu. Donc ça va lui faire mal. Bulldo. La puissance. Une vie se gonfle. Bon. Et puis il reste pas longtemps qu'on fume aussi. Je sais pas comment ça se fait. Il est putain de cheaté ce Pokémon. C'est super épique, grâce. Et boum. Tu m'as eu. C'est pas un jeu, arrête de parler comme un gamin là. Ah, attention. Il y a la super grognasse qui garde les otages. Bon, est-ce que je suis en forme là? Ah, j'ai 40 PV, mais bon, allez, on s'en fout. J'ai peur. Ah, elle va me fouetter. Tu veux te mêler des affaires d'un Team Magma? J'aime bien parce que j'ai commencé avec un de bonhomme et puis après. Tu veux te mêler des affaires? Soit tu es intrépide, soit tu es complètement stupide, ou les deux. Tu es tellement chou, c'est dégoûtant. Je vais t'apprendre la vie, sale mioche. Je crois que j'ai fait la meilleure imitation possible. Oh putain, comment qu'elle est fringuée. Admin Magma Courtney Cox. Ok. Un chamallow. Bon ben on va faire Bulldo. Sérieux, ils peuvent pas innover là. Ils sont toujours les mêmes Pokémon. T'es censé être un rang au-dessus et non, t'as les mêmes merdes que les sbires. C'est pas crédible tout ça. Et boum. Oh là 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 là, oui. Ça c'est l'évolution par contre, mais bon c'est quand même de la chiasse. Donc on va lui faire double pied. Et puis ça sera déjà fini. Ça va être un duel de merde. Pourtant on n'est pas beaucoup plus au-dessus en question de. En termes de niveau. Mais je mets la raclée quoi. J'ose même pas imaginer dans le remake comment que ça doit être. Ça doit être encore 100 fois plus simple. De ce que j'ai lu, c'est pas compliqué du tout de monter de niveau, mais là ouais c'est simple aussi quoi. En tout cas c'est pas compliqué, c'est ça plutôt la vision à avoir, c'est qu'il n'y a pas de difficulté apparente. Allez, attaque s'il te plaît, sinon là t'es mort. Bah non, bah t'es mort. Ah là t'es mort. Wouhou. Wouhou. Ah non, pas encore. Bon allez, là tu tapes sinon t'es mort. Allez, tu vas pas mourir quand même. Ça serait trop débile. Bah voilà, quand même. Il faut pas la honte. Je dis que c'est simple et t'arrives à crever juste avec confusion. Ça aurait été vraiment débile. Débile, débile. Et voilà, Maya qui monte de niveau. Tente d'apprendre encore. Efface une ancienne capacité pour encore. Non. Oui, parce qu'en fait, encore, c'est de la merde. Imaginons, même si Pokémon il avait fait... je sais pas, une attaque pour monter sa défense. Bah tu refais encore. Ok, il tape pas. Mais toi non plus. Donc ça sert à rien. Ah 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 ah. Tu es tellement balèze, c'est dégoûtant.
Et boum. Ha 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 ha. Nous avons été infiltrés. Sans nous y attendre. Nous n'avons plus le choix, il faut partir. Mais tu entendras encore parler de la Team Magma. On a d'autres plans. Alors regardez là, attention. N'oublie jamais ça. Ah! C'était trop magique comment qu'elle a disparu. Merci mille fois, grâce à toi nous sommes sauvés. C'était peut-être une autre façon de te remercier, mais prends ce Pokémon. Hein, tu n'as plus assez de place pour ce Pokémon. Ah merde! Attendez, dis-moi que c'est un PC là que je peux transférer. Allez, mais il y a plein de PC s'il te plaît. Tu peux pas me faire ce coup là quand même. Oh punaise. Donne-moi le Pokémon. Ah c'est ça, c'est le PC là je crois. Allez, mets-toi en face. Non putain, on peut même pas se mettre en face de l'écran quoi. T'as le choix entre la tour ou le petit coin de table qui reste. Mais c'est de la merde. Ah, c'est le PC qui est là-bas. Oh là 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 là. Je me suis dit, c'est pas possible qu'ils mettent pas un PC quoi. PC d'Annette, oui. Gestion en stock. Alors on va déposer. Un fils de pute. On va déposer. Ouais, on va déposer Maya parce que franchement elle est pas efficace pour l'instant. J'aime bien mais. Non. Non, non, non. Pour l'instant ça va pas. Alors on va voir maintenant qu'est-ce qu'il m'offre. Je sais plus du tout qu'est-ce que c'est d'ailleurs. Ah si, je crois que c'est soit la lune, soit le soleil là, non. Merci mille fois, grâce à toi nous sommes sauvés. Blablabla. Ah non, Morpheo, c'est quoi Morpheo? Mais je suis sûr que c'est un rapport avec les deux Pokémon là que j'imagine. Ce Pokémon change de forme en fonction des conditions météo. On en a plusieurs au centre météo, vas-y prends-le. Oh oui, c'est la petite merde là. Change selon le climat. Ouais, les attaques glace quand même, c'est pas mal quoi. Envoie une rafale de neige, peut geler l'ennemi, améliore les attaques eau pendant 5 tours, améliore les attaques feu pendant 5 tours. Ah ouais, d'accord, ouais, parce qu'il s'adapte. Bon, en fait, il pue la merde quand même, parce que s'il n'y a pas de climat, bah, il sert à quoi? À rien. Donc on va le virer de la team et on va reprendre Maya. De toute façon, il me plaît pas trop. Enfin, c'est pas vraiment Pokémon que j'aimerais avoir dans mon équipe, quoi. Et j'ai pas parlé aux autres, putain, j'aurais dû parler aux autres parce que maintenant je suis obligé de remonter. Et vu comment que... Merde. Et vu comment que je marche super vite, là, on y est dans 2 ans, quoi. Mais ça, c'est nul. Pourquoi je peux pas passer tout de suite? Attendez, comment... Ah oui, retirer, voilà. Mais c'est nul qu'on puisse pas tout de suite intervertir, quoi. Hop là. Bon, allez, on va arrêter de se plaindre. On va retourner voir les autres bouffons, là. Mais je pense pas qu'ils ont quelque chose à nous donner. Parce que là, on peut traverser le pont. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à foutre de nous remercier encore? Ah bah non, on peut même pas passer. Je fais des études sur la pluie depuis des années, mais ça ridicule de croire qu'il est possible de contrôler là. Ok, c'est juste du décor. Ok, 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 ok. C'est ok. Bon, bah on va traverser le pont alors. Mais ça sera dans le prochain épisode. Vous en êtes douté, je pense, hein, vu le temps qui reste de la vidéo. On va se mettre... Attendez, où est-ce qu'on peut se mettre? Ah bah non! Oh purée! Narpi! Où étais-tu? Je t'ai cherché. Tu as beaucoup progressé? Laisse-moi faire. Vous êtes prêts, tes Pokémon et toi? Évidemment, allez, c'est parti. C'est la désintégration totale. Bon, allez. Ah, de toute façon, on est en forme, on a encore tous nos Pokémon, c'est tranquille. Mais je vais quand même soigner KFC. Comme ça, je vais prendre KFC parce que... Enfin, non. Elle a un Pokémon haut, enfin, son starter, c'est un Pokémon haut, normalement. Donc, c'est un peu tendu, mais ça peut aller... là, il faut juste que je change quand même. Je vais prendre tout de suite KFC et je vais lui faire Flamèche. Ça sera réglé. Méga Sensu, on s'en fout. C'est pas mal, ça. Voilà, c'est pas efficace. Il y a du KFC dernier, on s'en fout. La pluie, on s'en fout. Flamèche. Et puis, t'es mort. Oh, putain, non. Non, non, pas poudre toxique, non. Ça c'est le pire du pire du pire 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 pire
Hein ? Double pied, on va faire. J'affectionne cette attaque, mais c'est un truc de ouf. Même si on n'avait pas vraiment besoin, j'aurais pu faire autre chose, quoi. Mais c'est pas grave. Un chamallow, oui. Là, je vais prendre Moussi. Je vais faire Buldo. Et j'espère que ça va le tuer, parce que Moussi, c'est mon arme fatale contre les Pokémon feu. Mais pourquoi elle a un chamallow, sérieux ? Je comprends pas trop pourquoi elle s'est arrêtée sur un chamallow. Mais bon, c'est... Ouais, pourquoi pas, hein. En même temps, les Pokémon feu, pour l'instant, il n'y a pas tant que ça, quoi. Ça, c'est surprenant, quand même. T'as beaucoup de Pokémon haut, parce que tu peux les pêcher, tu peux surfer et tout. Mais Pokémon feu, ils sont discrets, quand même. Et KO, yes. Voilà, niveau 29. Yahoo! Un Flobio! Oui! Qui on peut prendre contre ce bouffon? J'ai pas de Pokémon herbe, donc ça c'est génial. On va essayer avec... avec Oracle, pourquoi pas. Ça pourrait le faire. En plus, j'ai récupéré mes PP. Et puis il est niveau 24, donc s'il gagne ce duel, il va récolter pas mal quand même. La pluie continue de tomber, on s'en fout. Faire Rafale Psy, ou j'aurais dû faire Protection peut-être. Ouais, ça va, c'est pas mal, mais je pense qu'il va quand même mourir. Ouais. Il s'est blessé quand même. Mais bon, il sera mort. Ça servait à rien, en vrai. Mais c'est pas grave, t'es gentil quand même. Allez, on va faire Flash, histoire que tu serves à quelque chose pour le Pokémon suivant. Ok, précision du flop. Flobio baisse. Attire debout. Ah ouais. Bah ouais, pourquoi pas. Il est pas con, il veut pas se manger de coups non plus. Allez, on va envoyer Maya, on va voir ce que ça peut faire. Avec tonnerre, voilà, avec tonnerre. Tonnerre, ça peut être pas mal. Ah oui. Ah non, ça n'affecte pas. Ouais, donc... non, en fait, c'est de la merde. Tant pis. Eh ben, alors... Tu lui chies à la gueule, je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, on peut baisser son attaque. Ce qui est pas mal. Un tir debout, ça, c'est très mal. Tu arrêtes tout de suite. Ah, vitesse du Maya Base. En plus, donc c'est bon, dans 3 ans, on est encore là, quoi. Un petit vive attaque avant de mourir. Tire debout. Et ben, on va changer. Parce que ça va pas. C'est pas assez swag tout ça. Allez, Pokémon. Pi-cha, pou, ta-ta-ta-ta-ta, po-po-po-po-po. En fait, il faudrait que je sacrifie un Pokémon pour pouvoir prendre un de mes Pokémon puissants, faire au moins une attaque. Ou même s'il crève, c'est pas grave. Bon, ça va, contre Croc-McDo, c'est pas efficace. Et en plus, c'est blessé ce con-là. Le problème, c'est que si je descends trop sa vie et que je tue pas tout de suite, je pense que... Elle va soigner son Pokémon. Il a de grandes chances. Ah, il a la trouille, c'est bien ça. C'est un petit peu heureux. Merci, étonnement. Ah, c'est encore plus de la merde. On va essayer le troisième, qui est feinte, qui marche à tous les coups. Ouais, ça va. Bon, allez, là, tu soignes pas, ok. Ouh, c'est efficace. Ouh là là. J'ai un peu peur. Mais là, elle va le soigner, c'est obligé. Obligé. Sinon, c'est une mauvaise dresseuse qui n'a rien à foutre de ses Pokémon. Et on va faire morsure. Ah, lance-boue, il va enlever le tonnerre, enfin, ouais, puissance d'électricité, ok. Mais de toute façon, ça marchait pas contre lui. Ou alors, c'était juste tonnerre qui marchait pas. Bon, allez, est-ce qu'on tient les paris, là? Bah non, c'est trop tard, parce que j'ai lancé l'attaque. Donc, maintenant, c'est trop tard. Mais c'est bon, il a pas... Non, elle a pas soigné, donc là, il est mort. Il est mort, normalement. Allez, t'es mort. Ouais, yeah. C'est bien. On est bien. Bon, Maya, elle a pris plein d'expérience alors qu'elle a rien foutu. Waouh, quelle force, Snarpy. Et moi qui craignais que tu aies décroché avec l'entraînement. Eh non, ma vieille. Flora. Mais je n'ai pas de soucis à me faire. Garde le rythme. Et viens là, j'ai un cadeau pour toi. Ouais, un cadeau. Waouh, la CS02. Si tu utilises Vol, ton Pokémon te portera dans une des villes déjà visitées de ton choix. Mais pour pouvoir utiliser Vol, il faut le badge de la reine de Symmetronel. C'est important, n'oublie pas. Tu devrais utiliser Vol pour retourner chez toi à Bourg-en-Vol. Je parie que ta maman se fait du souci pour toi, Narpy. Bon, on se reverra. Ah, elle est géniale. Mais comment ça se fait qu'elle a le droit à la CS déjà avant
avant ce stade, quoi. Non, non, tu t'arrêtes de cheater, quoi. Mais bon, c'est pas grave, les amis. Donc là, il nous faut un badge pour pouvoir utiliser ses vols et pouvoir se balader où on veut. Et ça sera génial. Bon, en tout cas, je vous remercie de me suivre. Et ça me fait super plaisir, comme j'ai déjà dit. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!